allons avoir la première partie ce soir et la deuxième partie, nous l'aurons dans notre prochaine rencontre qui se trouve être le 8 octobre, le mardi 8 octobre, nous allons nous retrouver pour cette deuxième partie. Le samedi 19, ce sera notre étude sur les magistraux donc, de Jésus, c'est l'étude que nous avions eue samedi dernier pour une première partie. Et puis, nous allons poursuivre le quatrième mardi du mois, le mardi 22 octobre, où nous aurons notre étude. Voilà, le brisement éternel de Babylone et la victoire finale des saints du Très-Haut. Il est important pour nous de comprendre qu'il y a ce qui dirige les affaires de ce monde, la force divine, et la force satanique du dragon, ce que l'Apocalypse appelle le dragon, avec ses comparses, avec ses alliés, qui mènent les affaires de ce monde. Mais Dieu est là, veillant, agissant et œuvrant pour que le combat qui dure déjà depuis si longtemps arrive à sa fin. Il est là pour faire en sorte que chacun de nous, nous puissions participer à ce combat avec lui, en aussi grand nombre que possible, et que la victoire soit éclatante, et certainement elle le sera, car notre Dieu n'a jamais connu de défaite. Donc, il est important aussi que nous sachions que c'est une fois dans l'univers que cette affaire est arrivée, c'est-à-dire cette guerre entre le bien et le mal. Il a fallu que, selon la science et la préscience divine, que ça puisse paraître une fois et que Dieu lui-même s'y engage personnellement et totalement, puisque l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu s'est engagé dans l'affaire. Et puisqu'il s'y est engagé, il fera en sorte que plus jamais les créatures de l'univers n'aient envie de se séparer de lui, de lutter contre sa manière de faire et de diriger l'univers, puisque Dieu est parfait et son amour est parfait, sa science est parfaite. Et dans un bonheur total, c'est avec. Alors, nous allons donc considérer la suite de cette bataille entre Babylone, le royaume de Babylone et le royaume de l'agneau. Et cette fois, nous entrons dans la partie que j'ai appelée le brisement éternel et la victoire finale des saints du Très-Haut. Voici ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 1 et verset 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sous le trône en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse et comme un bruit de fort tonnerre disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Merci. Alors, chers amis, au chapitre 18 que nous avons étudié la dernière fois,
après plusieurs études, sont décrits les jugements de Dieu sur Babylone. Ces jugements qui ont commencé depuis déjà un nombre de siècles et qui durent et qui sont là pour sensibiliser les êtres humains et les emmener à se poser un certain nombre de questions et se repentir. Les guerres, les tremblements de terre, les inondations et toutes les catastrophes qui frappent la planète Terre sont là pour dire aux habitants de la Terre, Dieu n'a pas créé les êtres humains pour vivre dans de telles conditions. S'il est le Dieu bon et aimant et amour, ce qui se passe n'est pas de son ressort. Quand prendra-t-il en main les choses? Et Dieu dit, voilà, 2300 soirs et matins, et après se lèvera Michaël pour préparer la venue du royaume éternel de gloire. Donc Dieu, les signes qui ont lieu, les soubresauts de la planète Terre aujourd'hui, sont destinés à nous faire comprendre que la planète arrive à sa fin. Donc puis le plus il y a des inondations, des tremblements de terre, des incendies, des catastrophes naturelles en tout genre, plus nous devons savoir que les choses vont vers leur fin. Alors certains disent, oui, mais on a toujours eu des catastrophes, ça. Dieu prend patience. Et tout le long de cette longue période de patience et d'attente de Dieu, il y a eu des catastrophes. Mais ce n'est pas pour que nous devenions blasés, c'est pour justement nous emmener à nous interroger sur la question suivante. Dieu peut-il créer une planète et à laisser les êtres humains vivre dans de telles conditions? La réponse est non. Et si la réponse est non, c'est que Dieu va intervenir à un moment. À quel moment il va intervenir? Là, la prophétie nous le dit. D'ailleurs, nous avons vu que la planète Terre avait reçu un temps de 7000 ans. Nous avons vu déjà que le diable avait reçu 5844 ans pour faire tout ce qu'il avait à faire. Et qu'après cela, Jésus, l'agneau, Jésus, le fidèle, Jésus, celui qui est le grand défenseur de son peuple, va se lever pour préparer son retour en gloire, sélectionnant tous les individus qui auront bien voulu entendre les messages du jugement et se dire, bientôt il va venir, c'est le moment de nous préparer, c'est le moment de nous dépouiller de nous-mêmes, c'est le moment d'être lavé, purifié, blanchi de toute notre souillure, c'est le moment d'être prêt pour le mariage de l'agneau. Donc, le verset 21 affirme clairement que les malheurs de Babylone sont terribles, sa destruction est inévitable. Voici ce que le texte dit. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Maintenant, rappelons-nous qu'est-ce que c'est que Babylone ou la grande prostituée. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 2, Apocalypse 19, verset 2, la parole nous dit cela. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Voilà, donc Babylone est appelée la grande. Et ici, l'auteur n'a pas mis le terme ville, mais ailleurs, dans le même livre d'Apocalypse, c'est la grande ville. Apocalypse 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Voilà. Alors, Dieu a envoyé ses jugements, et je viens de vous en parler tout à l'heure, ces jugements qui durent depuis un certain temps, qui sont épars ici et là dans le monde. On voit toutes sortes de catastrophes
prendre place et détruire ce que l'homme a construit, enlever des vies, beaucoup de vies, et on se dit, mais pourquoi? Oui, ce sont des jugements partiaux que Dieu adresse à l'humanité, non pas pour détruire encore, car ce n'est pas encore la fin, mais tous ces bruits, tous ces jugements doivent nous dire que la fin arrive. Jésus l'avait bien dit, vous aurez des tremblements de terre, vous aurez une nation contre une nation, etc., etc., dans Matthieu chapitre 24, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ça veut dire que les choses qui se passent sur la terre nous annoncent la fin. Donc ce sont les mini-jugements de la prostituée de Babylone. Et viendra l'époque du jugement final où Babylone sera exterminée. Bon, on peut même parler de sentence à Babylone, et Babylone sera détruite pour l'éternité. Donc, ce terme Babylone, grande prostituée, on peut dire que cette entité-là, c'est l'espace habité par les démons, les esprits impurs, les anges déchus appelés oiseaux impurs et aux dieux d'Apocalypse chapitre 18, ainsi que les nations. Cet espace, c'est la planète Terre. Donc l'espace babylonien, c'est toute la planète Terre dont l'une des activités principales est l'immoralité ou encore l'impudicité, c'est-à-dire les pratiques sexuelles et spirituelles impures qui déshonorent Dieu, le Créateur, et son image qu'il a mise en l'homme. Donc, chers amis, il n'est pas étonnant que Jean dans Apocalypse 14, verset 17, nous dit ceci. Lucien va nous lire Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà, donc l'heure du jugement est arrivée. Dieu fait un appel aux êtres humains pour leur dire, nous l'avons vu dernièrement, sortez de Babylone, mon peuple. Là, c'est craignez Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, il y a une série de messages que Dieu envoie par les réseaux sociaux, comme nous le faisons maintenant par les radios, la télé, particulièrement les télés qui sont dédiées à cela, les campagnes d'évangélisation, les livres, les journaux qui voyagent dans le monde entier, de façon à transmettre à la population mondiale le message que l'heure est à la crainte de Dieu, l'heure est à donner gloire à Dieu, l'heure est à adorer Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, parce que maintenant a commencé déjà depuis un moment, maintenant se déroule le jugement que Dieu mène, le jugement de Dieu, car il se met lui-même en jugement de façon à ce que les êtres humains puissent comprendre la grandeur de son amour pour eux. Alors, quelles sont les raisons principales de son jugement? Le jugement, là je parle du jugement de Babylone. Revenons sur Apocalypse chapitre 19, verset 2, et voyons ces raisons. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Alors, je repose la question, pourquoi Babylone est-elle jugée? Et le texte nous dit, elle est jugée à cause de la corruption qu'elle répand sur la terre à cause de son impudicité. Car Babylone est une femme, une entité impudique, corrompant les individus de toutes sortes de manières. Et puis, Babylone est aussi une entité meurtrière parce qu'elle a tué beaucoup de serviteurs et de prophètes de Dieu. Et Dieu se propose à travers ce jugement
de venger ses serviteurs, tous ses serviteurs, ainsi que les prophètes. Bon. Voilà les raisons du jugement de Babylone. Maintenant, au début du chapitre 19, nous avons vu qu'il y avait une foule nombreuse. La question, vers qui sont dirigés ou attribués les honneurs ou encore les alléluia de cette foule nombreuse? Revenons sur Apocalypse 1, 19, pardon, verset 1 et 2, et voyons à qui s'adressent ces alléluia. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Voilà. Donc, la grande foule nombreuse, je suppose que c'est la foule des anges dans le ciel, de tous ceux qui se joignent à eux, eh bien, ils adressent un Alléluia, et je pourrais dire même un Alléluia retentissant et long. Le salut, la gloire et la puissance sont acquis à notre Dieu. Donc, l'Alléluia est adressé à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de formidable. Parce qu'il a jugé la prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en la redemandant de sa main. OK? En le redemandant de sa main. Donc, notre Dieu, à qui appartient le salut, à qui appartient la gloire, à qui appartient la puissance, eh bien, ce Dieu-là s'est levé pour pouvoir juger et venger. C'est ce qui se passe maintenant et qui va encore s'amplifier jusqu'à ce que eh bien, le royaume soit remis entièrement par Jésus entre les mains du Père. Le royaume sera restitué, le royaume sera restauré. Alors, Dieu est donc celui qui reçoit la gloire pour son œuvre de salut, sa gloire, sa puissance. Face à Babylone, parvient à délivrer, libérer, sauver un maximum de personnes, car Babylone veut détruire les individus, les envoyer dans la mort éternelle, la souffrance. Mais Dieu fait quoi? Lui, il fait éclater sa gloire dans le monde en exerçant sa puissance inégalable, et beaucoup de gens vont se détourner de Babylone pour pouvoir se tourner vers le Dieu créateur et rédempteur. Ainsi, lisons-nous dans Apocalypse chapitre 18 le texte suivant, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Voilà, donc nous voyons bien que la Bible déclare clairement que Dieu a l'intention d'éclairer la terre de sa gloire. Donc aujourd'hui sur la terre règne la gloire du mal, de l'auteur du mal, du diable et de ces démons qui font des ravages terribles sur la terre. Mais Dieu a bientôt l'intention de faire éclater sa gloire sur cette planète Terre. Et nous sommes appelés à nous préparer pour ce grand moment où Dieu va faire éclater sa gloire sur la terre. Maintenant, quelle est la puissance inégalable par laquelle Dieu fera éclater sa gloire? Nous lisons dans Romains chapitre 1er et le verset 16, un texte que probablement la plupart d'entre nous peuvent citer de mémoire. Ça, c'est Paul qui écrit. Si vous avez votre Bible sous les yeux, vous pouvez lire ce texte. J'ouvre la Bible moi-même pour ne rater aucun mot. Il est dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que dans cet évangile, en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc cette puissance inégalable de Dieu, c'est la puissance de l'évangile. Et voilà pourquoi Jésus dit, l'évangile va retentir dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors,
viendra la fin. Donc, ce grand moment de gloire sur la terre où l'évangile va triompher du nord au sud, de l'est à l'ouest, où les gens vont entendre et beaucoup vont se tourner vers Jésus, eh bien, ce grand moment est encore à venir et nous devons nous préparer pour participer de cœur et d'esprit à ce grand moment et être des instruments entre les mains de Dieu pour faire éclater sa gloire. Maintenant, avez-vous noté combien d'Alléluia la foule pousse-t-elle, vers qui et pour quelle raison? Lisons les textes qui suivent et notons le nombre d'Alléluia et les personnes vers qui ces Alléluia sont adressés et pour quelle raison ces Alléluia sont adressés. Bon, on va le lire directement dans la Bible, ça arrive. Nous sommes donc dans Apocalypse, chapitre 19, versets 1, 3, 6 à 8. Et si tu as ta Bible, Lucien, tu pourras lire, sinon, c'est la Bible devant Apocalypse, ça y est. Apocalypse 1, Apocalypse 19, versets 1, 19 3, versets, oui, 5. 3, 6 à 8. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Revenons à notre question, et puisque vous avez la Bible devant vous, répondons à cette question. Combien d'Alléluia la foule pousse-t-elle, vers qui et pour quelle raison? Alors, si on regarde bien, au verset premier, il y a un premier Alléluia qui est adressé à Dieu, qui a le salut, la gloire et la puissance, et qui a jugé la prostituée. Un deuxième Alléluia est poussé au verset 3 parce que la fumée de la destruction définitive de Babylone va monter au siècle des siècles. C'est une expression pour faire comprendre que Babylone sera à jamais détruite. Et puis, il y a un autre Alléluia, un troisième Alléluia, qui est poussé au verset 6. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Donc, c'est l'Alléluia pour le règne de Dieu. Alléluia, car Dieu possède le salut, la gloire et la puissance. Alléluia, parce qu'il a, premier Alléluia, toujours parce qu'il a jugé la prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité. Il l'a jugée pour être la persécutrice de ses serviteurs et celle qui a cette puissance ayant mis à mort des quantités d'hommes et de femmes qui servaient Dieu. Et puis le deuxième Alléluia, c'est parce qu'enfin Dieu a jeté la prostituée comme une grande meule dans la mer symbolique de la destruction de Babylone, mais au lieu d'aller dans les eaux, Babylone va aller dans le lac de feu. Et c'est ainsi que la fumée de sa consomption, elle est consumée par ce feu divin et cette consomption, le fait qu'elle soit consumée, eh bien, fait jaillir de la fumée. Et cette fumée donne le témoignage qu'elle sera détruite pour toujours. Mais il y a un autre Alléluia de la foule, c'est celui de grande réjouissance cette fois, parce que Dieu est entré dans son règne et que ce règne signifie que le mariage de l'agneau peut avoir lieu. L'épouse de l'agneau s'est préparée et tous les serviteurs ont fourni le matériau avec lequel la robe de la mariée est fabriquée, qui s'appelle fin lin.
Et le texte dit que le fin, ce sont les œuvres justes des saints. La prochaine fois, on va étudier ça beaucoup plus en détail, mais vous avez maintenant là les trois alléluia de la foule et adressés à Dieu, parce que Dieu est grand, mais aussi adressés à l'agneau, à l'épouse, parce que eh bien, l'agneau s'est préparé, l'épouse s'est préparée et le mariage peut avoir lieu. Si l'on devait donner une définition au mot jugement pour Babylone, quelle serait cette définition? Je vous suggère et je vous propose la définition suivante. Le jugement divin contre Babylone, c'est l'acte qui consiste à examiner Babylone dans son état, je pourrais dire même son état passé et actuel, et ses activités, nombreuses activités d'impudicité, de corruption de la race humaine ou des habitants de la terre, et condamner violemment cette entité pour qu'elle ne soit plus jamais retrouvée. Et c'est là que nous pouvons comparer le jugement de la prostituée au jugement de Daniel chapitre 7. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14. Là, nous allons voir, et vous allez voir directement le texte sous vos yeux dans vos Bibles, et voir si ce jugement décrit dans Daniel est aussi le jugement de la grande prostituée, si ce jugement dans le livre de Daniel chapitre 7 est aussi le jugement de Babylone. Daniel 7, versets 9 à 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Pour comprendre et faire la comparaison, nous nous posons simplement la question suivante. Quels sont les indices dans le texte de Daniel qui nous disent que ce qu'il décrit ici est aussi ce que Jean décrit dans l'Apocalypse? Regardez le verset 10. Il est dit, 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Donc il y a là en présence de Dieu des serviteurs. Vous voyez que le jugement est fait pour venger les serviteurs de Dieu. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Il s'agit bien d'un jugement puisqu'il y a les juges. Et dit, je regardais, l'animal fut tué, le verset 11, fin du verset 11, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, il y a bien un feu, un fleuve de feu qui est allumé devant Dieu. Et on a vu tout à l'heure que Babylone est jetée dans le feu et sa fumée, la fumée monte au siècle des siècles. Maintenant, vous aurez aussi noté que Daniel voit quelqu'un qui arrive sur la nuée des cieux, semblable à un fils de l'homme, il s'avance vers l'ancien des jours, l'on fit approcher, pour recevoir la domination, la gloire et le règne. Or, dans l'Apocalypse, la foule nombreuse pousse un cri de joie parce que Dieu est entré dans son règne. Et que sa domination sera éternelle et ne passera point.
et son règne sera à jamais détruit. Donc, même si la description de Daniel est différente, même si c'est l'animal qui parle comme avec arrogance et qui est donné comme étant l'animal terrible dans Daniel, qui est représenté aussi par la petite corne qui sort des 10 cornes de cet animal terrible, l'Apocalypse nous fait savoir que le dragon avait donné la puissance à cette bête, et cette bête va parler avec arrogance, et la seconde bête va se joindre à la première bête pour pouvoir s'élever contre Dieu, et l'addition de la première bête et de la seconde bête donne ce grand mouvement babylonien, ce mouvement de confusion, ce mouvement de mensonge, ce mouvement d'impudicité, etc., etc., et qui va faire en sorte que la Bible appelle tous ces humains qui vont être séduits par le dragon, séduits par la bête, séduits par le faux prophète, eh bien, la Bible appelle ce beau monde, cette entité mondiale, Babylone, Babylone. Et Babylone sera jetée dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, d'où l'on ne revient pas. Voilà donc le brisement de Babylone pour l'éternité. Comment Dieu parvient-il avec les saints à triompher de si glorieuse manière de Babylone? Comment s'assurer d'être parmi les vainqueurs? C'est notre prochaine étude, si vous voulez bien. Donc, nous allons nous retrouver le premier mardi du mois d'octobre pour étudier ensemble ce sujet sur la victoire des saints du Très-Haut. Voilà. Nous sommes encore désolés pour toutes ces problématiques techniques et nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions pour cette étude que nous avons pu partager. Nous te remercions pour le fait que tu as bien voulu, ô Dieu, nous accorder la possibilité d'avoir ta parole entre nous-mêmes, pour savoir comment les choses se déroulent, ce que tu veux faire, et nous donner la possibilité de nous préparer afin de participer avec toi à cette victoire finale, à toute cette gloire qui te sera donnée à la fin, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage pour les humains. Nous voyons les signes, tes jugements qui sont déversés partiellement ici et là sur la terre pour nous avertir, l'attitude des êtres humains, les complots de tous gens qui sont montés contre l'humanité pour la détruire. Tout ça nous affirme que tu es debout pour prendre la défense de ton peuple, de tes créatures, et rétablir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous instruit et nous réjouit. Au nom de Jésus. Amen. Bien, comme ça, on va nous tendre, Seigneur.